premier de Ligue 1, vous allez en huitième de finale Coupe de France. Qu'est-ce que ça vous fait? Bah, c'est toujours une satisfaction d'avancer dans une telle compétition, non? C'est sûr qu'on va aller le plus loin dans la compétition, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. Aujourd'hui, c'était un petit derby, ça faisait plaisir à ceux qui étaient là, mais on a fait l'essentiel, on a gagné par un but à zéro. Ça n'a pas été facile, surtout vu la pelouse, mais on a fait l'essentiel, on a fait le boulot. Et qu'est-ce que vous visez cette année, lorsque la Coupe de France, le championnat ou l'Europa League? Bah, on prend les matchs les uns après les autres, hein. On se prend pas trop la tête, on a un groupe de jeunes garçons, on prend les matchs après les autres, chaque match on veut gagner. Maintenant, comme je dis toujours, c'est à la fin du championnat ou à la fin de chaque compétition qu'on fera les comptes. Mais l'objectif prioritaire du club, c'est avoir une belle place européenne en fin de saison. Nous allons arriver au Cameroun qui joue les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2012 qui va se dérouler au Gabon. Et vous aujourd'hui, est-ce que vous participez déjà? Bah, pour le moment, je suis appelé en sélection. Bon, maintenant, j'espère qu'on se qualifiera, pour la compétition. Et qu'est-ce que ça vous fait de participer à une CAN juste à côté de chez vous? C'est comme si vous étiez chez vous. Bah, on est chez nous, hein. Il faut dire ce qu'il y a. Le Gabon et le Cameroun sont des pays voisins, sont des pays frères. Même lors de la double confrontation Cameroun-Gabon et Gabon-Cameroun, ça se passait super bien entre joueurs. Mais comme vous dites, ça fait plaisir d'être toujours de participer à une CAN et ça fait encore plus plaisir si c'est à côté de la maison. Lors de la dernière CAN, vous avez eu du mal à vous qualifier et vous vous retrouvez à peu près aujourd'hui dans la même posture où vous aurez une double confrontation avec le Sénégal. Ben, qu'est-ce que le Cameroun prépare? La même chose qu'elle a faite au Gabon? Bah, disons que quand on entre sur le terrain, c'est toujours pour donner le meilleur de nous-mêmes, et le meilleur de nous-mêmes, c'est de se qualifier pour la CAN. Donc moi, j'imagine mal une CAN sans le Cameroun. Avec tout le respect que je dois pour d'autres pays, je crois qu'aujourd'hui, le Cameroun, ça fait partie d'une grande nation africaine. Donc ce serait logique qu'on se qualifie, mais une fois encore, ça se passe sur le terrain et non dans les dits. Donc ouais, ça fait toujours plaisir de participer à une CAN et j'espère qu'on y sera en 2012. Vous avez un message pour les jeunes footballeurs africains qui vous suivent et qui aiment ce que vous faites? Bah, un message, bah, de croire en ce qu'ils font. Je sais qu'eux aussi rêvent de caresser une carrière professionnelle. Bah, de croire en ce qu'ils font, se donner les meilleures chances et de travailler beaucoup, suivre beaucoup les éducateurs et je crois que le tout suivra. Nous demandons également un message de paix pour l'Afrique, car vous savez que l'Afrique traverse aujourd'hui des moments difficiles et vous êtes aujourd'hui vecteur d'un certain message qui unit les peuples. Qu'est-ce que vous dites pour l'Afrique aujourd'hui? Bah, disons qu'il faudrait peut-être s'asseoir autour d'une table et avoir le dialogue. Non, ça sert à rien d'avoir le dialogue, de se battre entre nous. Ce qui serait bien, c'est se réunir entre grandes personnes et prendre des décisions sages pour que tous les peuples, pardon, n'en pâtissent pas de ce qui se passe. Maintenant, les politiciens, ça les regarde eux, ça nous regarde pas. Mais si on peut les aider en leur passant ce message, bah, pourquoi pas? Se rassembler, parler entre grandes personnes et éviter les guerres où tout le monde. Où surtout le peuple empathie beaucoup à ce qui se passe. Merci beaucoup. Nous espérons vous retrouver au Gabon. Si vous avez quelque chose à dire pour les Gabonais, ben... Merci à vous, merci de la chaleureuse accueil qu'on a eu quand on jouait là-bas, quand on a joué contre le Gabon. Et j'espère qu'il en sera de même en 2012 avec notre qualification pour la CAN. Merci et bonne soirée.